Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit vlog. Ce sera le premier vlog sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire et je trouvais ça sympa de vous faire un petit vlog. Donc on va commencer déjà, merci. Merci parce qu'on a atteint les 30 000 abonnés sur ma chaîne et pour moi c'est juste énorme, c'est génial. Franchement, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi à faire des vidéos sur ma chaîne et je n'aurais jamais pensé arriver à 30 000 abonnés parce que c'est énorme. Pour certaines personnes, c'est pas énorme parce que comparé aux plus grandes youtubeuses françaises qui ont beaucoup plus d'abonnés, bien évidemment c'est ridicule on va dire par rapport à ce qu'ils ont. Mais en fait pour la personne concernée c'est pas du tout ridicule parce que je m'imagine en fait avec 30 000 personnes autour de moi. Et c'est là que je me rends compte que c'est juste énorme. Voilà, c'est énorme et je ne me vois pas dire en fait bonjour à 30 000 personnes comme ça là tout de suite. Donc voilà, c'est énorme et c'est génial, c'est génial. Parce que je me dis mes vidéos elles servent à quelque chose, elles plaisent et ça c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir. Parce que c'est vrai que quand on commence une chaîne on s'imagine pas mais on a zéro abonné, on a aucune vue, rien du tout. Et on se dit en fait nos vidéos elles servent à rien, elles servent à personne. Oula, allez, j'en bégaye. Voilà, donc le fait de savoir qu'on a des vues, qu'on a des abonnés, qu'on reçoit des messages hyper touchants, c'est génial. Franchement, c'est une superbe aventure. Je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans cette aventure youtubesque parce que c'est extra. Franchement, c'est extra. Et voilà, c'est drôle parce qu'on s'attache vraiment à des personnes alors qu'on ne les connaît pas. Vous vous attachez à moi alors que vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez que vue physiquement. Vous connaissez un petit peu ma vie parce que j'en dévoile quand même pas mal. Mais vous vous attachez à moi, je reçois beaucoup de vidéos, enfin de vidéos, de commentaires ou de messages privés qui me disent que voilà, ils sont fans de moi, enfin voilà, qui m'adorent, que je suis leur modèle, qui voudraient me ressembler, etc. Et c'est hyper touchant en fait parce que voilà quoi, c'est touchant, on a l'impression qu'on est quelqu'un de connu, qu'on est une star. Et c'est vrai que quand on dit on est une star, des fois on dit telle personne est mon modèle, je suis fan de cette personne. Mais pour moi une star c'est quelqu'un comme tout le monde, je vois pas pourquoi pourquoi en fait on pète un câble comme ça contre des gens, comme on peut être fan de personnes comme ça alors que c'est des gens comme vous et moi. Enfin ça c'est quelque chose que je comprends pas. Après voilà, chacun est comme il est. Et moi je m'attache à vous parce que il y a des personnes sur Facebook par exemple qui viennent me parler assez régulièrement, avec lesquels je parle, avec lesquels je tisse des liens on va dire, avec lesquels j'aime beaucoup parler. Voilà, il y en a qui font sûrement se reconnaître parce qu'on parle, on parle de temps en temps. Alors après il y a peut-être des personnes qui viennent me parler mais en général les coucou ça va je ne réponds pas parce que si je dois répondre à tous les coucou ça va et puis en plus des commentaires où on me pose des questions un peu plus intéressantes j'ai envie de dire, je pourrais pas, sachant que j'ai quand même pas mal de Facebook où j'ai mes Facebook, enfin j'ai mon Facebook personnel mais qui ne me sert pas. J'ai accepté à un certain moment les personnes sur mon Facebook personnel mais je me suis aperçue qu'en fait ça servait à rien parce que ça n'avait absolument rien à voir. Mais dans mes deux Facebook maquillage plus mes pages maquillage, régime, etc. je m'en sortirais pas si je répondais au coucou ça va. Je pense que tout le monde peut comprendre et puis de toute façon n'importe quelle youtubeuse je pense qu'elle ne répond pas à ces messages là. Après je réponds aux personnes avec lesquelles j'ai plus d'affinité, pas plus d'affinité mais avec les personnes avec lesquelles je parle le plus souvent. C'est à dire que quand une personne je parle très souvent avec cette personne là et qu'elle vient me voir en me disant coucou ça va, bien évidemment je lui réponds parce que ça me fait plaisir de lui répondre. Après vous allez me dire si je viens de voir en me disant coucou ça va, bien évidemment si tu me réponds pas on peut pas tisser des liens, on peut pas se connaître. Oui mais en fait ces personnes là à la base sont venues me poser des questions et ensuite on a parlé, on a sympathisé et puis bon voilà, de fil en aiguille on a commencé à se parler plus souvent. Mais bien évidemment je ne peux pas parler à des milliers de personnes comme ça, enfin il y a un moment faut comprendre. Voilà, voilà en fait tout ça pour dire qu'en fait je m'attache à vous et vous attachez à moi. Et c'est pareil sur YouTube, au niveau des commentaires il y a des personnes qui laissent assez régulièrement des commentaires sous mes vidéos et du coup je les reconnais en fait, donc c'est vrai que je m'attache et voilà c'est hyper sympa et... donc en fait je suis hyper contente et voilà, donc là on est à 30 500 abonnés donc ça monte de plus en plus. Voilà, en fait plus on voit que les abonnés montent plus en fait on se rend compte que nos vidéos plaisent, pardon. Et ce que j'aime en fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que de toute façon je pense que tout le monde l'a remarqué puisque je reçois de plus en plus de messages, c'est que j'ai vraiment évolué en fait depuis mes débuts, dans ma façon de me maquiller, dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, j'ai beaucoup changé. Voilà, au niveau du blush c'est quelque chose qui me, comment dire, c'est quelque chose qui
je m'en rends mais énormément compte. Et quand je regarde mes... Enfin, de toute façon, je ne peux même pas regarder mes anciennes vidéos parce que je m'agace en fait. Je m'agace. Quand j'ai commencé mes vidéos, je me suis dit, je veux être naturelle, je veux être moi. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre dans mes vidéos et dans la vraie vie. Être différente, je veux vraiment rester moi-même. Et en fait, j'ai tellement voulu être moi-même dans les vidéos que j'en ai été totalement différente. C'est-à-dire que je parlais comme... J'avais l'impression d'être une gamine de 10 ans. En fait, je m'énerve en fait quand je regarde mes vidéos parce que je trouve que j'en fais trop. Alors qu'en fait, je voulais justement pas en faire trop. En fait, faut chercher le truc des fois. Et voilà, au niveau de mon blush, la façon de me coiffer, de m'habiller, je me rends compte, mais je me dis, mais comment j'ai pu être comme ça en fait. Mais de toute façon, on évolue toutes et c'est vrai que quand on regarde des photos d'avant, on se dit, mais comment j'ai pu genre porter ce pantalon, ce t-shirt, comment j'ai pu me coiffer comme ça. Plus tard, quand je me regarderai, là, aujourd'hui, je me trouve bien. Je trouve que mon maquillage est bien, je trouve que mes cheveux sont bien, j'aime bien comment je m'habille et puis ça se trouve plus tard je me dirai mais comment j'ai fait pour être comme ça. Enfin, c'est assez marrant des fois, voilà. Et puis en fait je reçois souvent des messages, des commentaires en me disant franchement c'est génial, t'as beaucoup changé, t'es beaucoup mieux qu'avant, t'es plus jolie, t'es plus féminine, enfin t'es plus... Tu parles mieux, tu te maquilles plus neutre, moins avec tes couleurs flash, tu fais des... Enfin, tu fais des efforts pour parler parce que c'est vrai qu'au départ je voulais être moi-même et donc je voulais garder le même parler parce que voilà je suis quelqu'un qui dit des gros mots dans la journée mais je pense qu'on est toutes comme ça en fait. Mais je voulais être comme ça mais c'est vrai que des fois c'était peut-être un petit peu trop parce que tout le monde n'a pas mon âge. Il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ont 10 voire 20 ans de plus que moi et qui forcément dans la vraie vie... dans la vie en fait parlent plus correctement et n'ont pas... Enfin ne disent pas des gros mots donc... Je comprends que ça peut choquer en fait certaines personnes et que ça peut leur déplaire. Donc c'est pour ça que là-dessus je fais des efforts. Par contre je ne ferai pas... je ne changerai pas pour les autres. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je suis moi et je ne changerai pas. Et c'est ce que je pense. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient dans mes vidéos, dans ma chaîne. C'est qu'en fait je ne suis pas comme tout le monde. Enfin entre guillemets. C'est-à-dire que j'aime des choses que les gens n'aiment pas forcément. Enfin... Je sais pas comment dire en fait. Déjà avant... J'ai toujours été différente en fait. Avant j'avais un look un peu gothique, j'avais les cheveux noirs, je m'habillais tout le temps en noir, j'avais le teint très blanc, j'étais un peu gothique en fait, j'aimais tout ça en fait. Enfin vous m'auriez vu il y a, il y a un petit peu moins de 10 ans, vous auriez rigolé. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé ce qui était un petit peu différent en fait, un petit peu hors du commun, voilà, qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime. Mais voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais je pense que c'est un petit peu ce que vous aimez, c'est que je ne suis pas comme toutes les youtubeuses. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je pars en vacances, donc comme l'année dernière je pars en vacances. Donc là on est le mardi 30 juillet et donc je pars le samedi 3 août, donc la veille de mon anniversaire et donc samedi là. Voilà, donc je voulais quand même vous prévenir et vous mettre la vidéo un petit peu en avance pour que vous puissiez savoir quand même que je ne serai pas là pendant 3 semaines puisqu'en fait je pars donc 2 semaines avec mon copain et mes beaux-parents et la semaine d'après mon copain a encore une semaine de vacances donc en fait du 17 au 24 je serai avec mon copain mais je serai rentrée mais du coup il n'y aura pas de vidéo. Donc là cette année ce que j'ai fait c'est que j'ai pré-filmé en fait quelques vidéos que j'ai déjà fait le montage et qui sont déjà sur ma chaîne mais qui sont en fait en mode privé, c'est-à-dire que j'aurais pu qu'elle les activer et les mettre en mode public. Donc comme ça j'ai filmé 3 ou 4 vidéos mais comme on est mardi je vais essayer d'en refilmer en fait avant samedi pour en avoir encore un peu plus d'avance. Vous en aurez au moins une chaque semaine, donc au moins 3, une chaque semaine. Donc voilà, vous aurez au moins quelques vidéos et c'est des tutoriels maquillage puisque vous avez été nombreuses à me dire que... voilà, je ne vous faisais plus de vidéos maquillage. En fait, comme j'ai changé ma caméra il y a quelques mois de ça, voilà, il fallait que je prenne un petit peu la mise au point en main et tout ça pour que je sache comment ça fonctionnait. Voilà, donc là j'ai un petit peu pris le coup et donc je vous ai tourné quelques vidéos d'avance. Donc voilà, vous les aurez au fur et à mesure. Donc je pars pour celles qui s'intéresseraient parce que je pense qu'on va me le demander. Je pars dans les Landes, donc de toute façon comme chaque année, non l'année dernière on n'était pas parti là-bas. Mais en général on part dans les Landes, donc je pars à Molliette. Donc pour celles que ça intéresserait et qui seraient là-bas, ça pourrait être cool. Et je pars au camping Les Cigales, emplacement numéro... Non, je déconne, je vais quand même pas dire le numéro, mais je pars quand même dans les Landes et je pars au camping Les Cigales. Donc si jamais il y en a qui vont au même camping, ça pourrait être sympa de se croiser. Voilà, ou qui vont à Molliette, je ne sais pas. J'ai déjà été à ce camping là, la première année où je suis partie avec mes beaux-parents et mon copain. Et voilà, j'avais adoré parce que en fait quand on sort du camping il y a pas mal de magasins, il y a plein de trucs de glace, de gaufres et en fait ça fait vraiment vacances avec des lumières le soir, je trouve ça génial. Il y a
un marché vraiment juste à côté. Il y a même des marchés de nuit, donc j'adore aller au marché de nuit le soir en fait, je trouve que c'est super sympa. Voilà, jusqu'à je ne sais quelle heure en fait. Voilà, après manger, vous faites votre tour au marché et je trouve ça génial. La mer est pas très très loin, donc le soir avec mon copain, des fois on va se manger une petite glace sur le bord de la mer tous les deux en amoureux. Et c'est génial, voilà, c'est génial. Maintenant juste ce que j'espère c'est que le temps sera au rendez-vous, parce que le temps a été là à un certain moment les semaines précédentes. Mais là le soleil n'est plus trop là, il a fait chaud très longtemps, il a fait des températures mais énormes, j'en pouvais plus. Et là il pleut, il fait gris et il fait pas beau, donc c'est dommage, il fait juste en fait lourd. Mais voilà, j'aimerais quand même qu'il fasse beau là-bas, donc voilà. Donc pendant mes vacances je vais prendre mon ordinateur portable, parce que le soir comme ça avant de me coucher, si jamais je peux me connecter à ma chaîne ou à mon Facebook et puis répondre à vos commentaires, ou voilà aller faire un petit tour quand même sur ma chaîne, je le prends. Comme ça je resterai au moins en contact avec vous, parce que je pense que si je reste pas en contact avec vous pendant 2 ou 3 semaines ça va vraiment me manquer. Et puis sachez que même si je ne vais pas forcément mettre trop de statuts ou tout comme ça sur Facebook, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Donc je pense que vous connaissez maintenant tout Instagram. Le principe c'est de mettre des photos dedans, voilà, et puis les gens s'abonnent pour suivre vos photos. Et je pense que là dessus je serai assez comment dire, enfin, je pense que je mettrai assez régulièrement des photos dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. De toute façon je vous mettrai le nom de mon Instagram. Enfin de toute façon c'est Tiffany Makeup, mon Instagram, c'est simple. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, vous verrez sûrement des photos de mes vacances, etc. Donc voilà, ça peut être sympa pour celles que ça intéresse. Ensuite je voudrais vous dire que en fait je comment dire, quand je reviens le 17, il me reste encore une semaine avec mon copain jusqu'au 24, et le 25 ma grand-mère part en vacances, donc pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines je vais avoir l'appartement pour moi, donc je vais être toute seule en fait avec mon copain. Et je vais en profiter en fait pour faire des vlogs TV, puisque la dernière fois que j'en ai fait un ça remonte d'il y a plus d'un an. En fait maintenant comme je vis chez ma grand-mère, je ne peux pas me permettre de faire des vlogs TV, parce que en général en vlog TV je me fends la gueule. Franchement je ne suis pas du tout la même à la caméra qu'en bloc TV, enfin ça n'a absolument rien à voir. C'est génial, j'adore les blocs TV, mais je peux pas en faire trop, donc voilà, j'en profiterai sûrement pour vous en faire. Voilà, donc de toute façon je vous préviendrai sur ma chaîne avant bien évidemment, pour que voilà vous soyez tous au rendez-vous. Et puis bah, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà pour ce petit vlog, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.